sur l'université. Octobre ou novembre. Non. Octobre. Je me souviens de temps très bref. Quelques secondes seulement. C'est arrivé peu après. Des flammes s'élancent vers le ciel. Embrasées. Crépites. Convulses. Et cèdent subitement. Le sol est un charbon qui fulmine sous le ciel obscurci. Un grillage de poussière emprisonne le halo noir d'un soleil vain. C'est comme une nuit qui nous prend. Et que va-t-il arriver? Je ne savais plus si c'était elle qui pensait ou si c'était moi. C'était impossible à démêler, vous saisissez? Sa voix était devenue la mienne. La mienne! C'est un thème pas très exploré, en fait, au théâtre, j'ai l'impression. C'est cette introspection, ce travail sur l'individu, ses difficultés, son sentiment intérieur, en fait, qui sont ici mis à la surface. Les déséquilibres, les émotions, en fait, qui traversent tout un chacun, qui ne sont pas forcément... Bon, là, c'est porté à son paroxysme, mais qui ne sont pas... que la société ne permet pas forcément d'exprimer ou qu'on met à l'écart, en fait, de la société. Ou que chacun met à l'écart, en fait, de lui-même pour pouvoir vivre en société, justement. Voilà, ça, c'est un thème qui m'intéresse. Je me sens lasse. Je soupire, mais elle ne s'en rend pas compte. J'éprouve l'envie de m'allonger sur un lit et de me détendre. Mais je dois encore supporter la visite de la maison avec son arrière-cour rempli d'objets de toutes sortes. Vaisselle dépareillée, boîtes de toutes les formes débordant de pelotes de laine, de bouteilles, de vieux livres, de catalogues jetés au hasard des interstices vacants. C'est dingue! Les yeux de Noémie me foudroient si j'ose dire cela. Parfois, j'ose quand même. Elle prétend que je cherche à briser l'avenir de notre fille qui est brillant. Brillant! Elle en est certaine. Quelle matière étrange est née de sa demande mêlée à son attitude, sa façon d'avancer à reculons. Quelle sensation d'inconfort subitement! C'était une transition. Je ne le savais pas. Je n'étais qu'un peu plus suspendue. Faut-il exprimer comme cela? Tout ce temps, depuis le début, tout ce temps n'avait été que de l'attente de cela. Le désir d'un baiser, le désir de son poids contre moi, d'un élan de bras qui se jette, tu sais! Chaque texte est un petit peu différent, mais là, c'est très difficile de parler, du travail de l'écriture, mais c'est comment traduire des émotions, un état intérieur qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer, en fait, parce que notre vie intérieure, elle est parfois... il y a des réflexions, des phrases qui s'enchaînent, il n'y a pas forcément un discours construit comme ça, 15 minutes de monologue intérieur, mais j'ai essayé de transcrire ça avec soit un discours un petit peu direct, une façon un peu directe de s'exprimer, soit beaucoup plus métaphorique, notamment dans le dernier monologue, qui est peut-être celui qui me ressemble le plus au niveau de l'écriture, en tous les cas. Et c'est un travail de matière, de couleur, de tonalité, qui pour moi est un des sujets principaux de la pièce, en fait. Merci. Merci à vous.